Eh bien salut tout le monde, c'est Mr. White et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du récit Tirailleurs. Donc on avait passé la forêt envahie nazie, hein, et du coup là l'ordre c'est d'attaquer le château. Donc j'ai reçu apparemment un petit pistolet, on peut le voir à droite là, qui lancerait une attaque de tous les autres tirailleurs. Donc on est parti. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Oh putain dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Bah ouais, mais je me fais cramer instant parce qu'il y a un vieux mec. Je l'avais pas vu. Celui-ci à pompe, il est pété, y'a rien à dire. Ah d'accord, il y a un char. Eh ben, nickel. Je mets de la patate. Patafix! La puissance de la patafix. Voilà, j'ai un panzer fou, c'est nickel ça. Allez, forcément. Ouais, qu'on se voit un soulier là. Il y a vraiment un mec, je pensais pas qui. Ah là, une STG. Ah, il faut que je détruise quoi? Les défenses du village. Qu'est-ce qu'ils entendent? Ah mais il lui faut combien de balles à celui-là? Ah c'est ça les défenses. Pas de problème, je m'en occupe. Ah s'il est vraiment pété ce pompe là. Toi je te one ou pas? Bon si je te loupe c'est con quoi. Si je te reloupe c'est encore plus con. Ouais alors là il abuse. Là, je l'ai pas loupé le mec au moins. Il a abusé ce pompe. Je sais pas ce que vous en pensez les gars mais... C'est vrai qu'attends j'ai ce pistolet là. Je sais pas ce que ça fait hein. La violence de ce pompe. Un vieux mec. Plus rien à craindre de vous maintenant. On doit se débarrasser de ces canons.
Pourquoi ils sont rouges? C'est l'élite? C'est quoi ça? Ah, c'est un pack. C'est pas visé. Comment il campe lui? Non, j'ai pas envie de mourir. J'ai dit que je voulais pas mourir. Les Allemands avaient tout et on n'avait presque rien. On devait donc voler leur équipement pour l'utiliser contre eux. Il y avait forcément des explosifs dans les environs. Une espèce de conquête en campagne où il faut capturer des points et des conneries comme ça. Ça rajoute un petit peu de dynamisme. Non mais le pompe s'il te plaît, il one shot à 300 mètres. Mes frères, quand je touche. Nous allons repousser les lignes ennemies. Ce sera pas facile. Le château vieux, c'est pas plutôt l'inverse, le vieux château? Non mais bon, d'un moment... Je sais pas si j'ai pété l'alarme... Oh, ils sont combien alors? J'y vais au... Je vais descendre ces salauds. Merde. Ok, c'est parti. Je pensais me faire la collate. Allez, allez, allez. Ils servent à rien mes collègues là. On doit se débarrasser de ces canons. Attaquez les gars! Je vais pas envoyer 36 000 fusées! Je sais pas à quoi sert la fusée. Si vous le savez, dites-le moi en description, mais je comprends pas à quoi ça sert parce qu'ils avancent pas en fait. Ok, il en moins. Un en moins, je sais pas. Il faut qu'on soit fort. Non franchement il me faut le même truc en ligne. Oh là là mais c'est tellement classe. Oh, il est trop violent cette pompe là. Pas où je tire, c'est genre trop bien. Yo mec, on lance flamme. Non, faut pas qu'il tue mes collègues. Alors qu'on se battait pour forcer l'entrée, une partie de moi espérait qu'on n'y arriverait jamais. Ça ne bouge pas! Poussez plus fort! Garde-toi! Détache-toi de la porte!
On va utiliser ce canon. C'est sûr, c'est plus pratique. Par ici, attention. On y va. Oh, ça va être un carnage, j'ai l'impression. C'est une embuscade. En avant! Qu'est-ce qu'il va avoir comme connerie derrière? On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Bon, le ralenti, c'est bien sympa, mais... Oh putain, j'en étais sûr, une embuscade. Je vais être le seul survivant. C'est un malade celui-là. C'est un malade et un héros. Idrissa. Oh mon Dieu! Il est ça! Réveille-moi! Idrissa! Non, mais il est pas mort! Oh non! Ça va toi ou pas? Je peux t'aider? Non, je peux rien faire. Ah bon, on continue quand même quoi, on s'en fout. Ah d'accord, bah nickel. Hein. Écoutez. C'est les blessés ou ils dorment? Je crois qu'ils dorment. Non, c'est un hôpital. Idrissa, nous sommes des rois.
sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. L'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier. Magnifique récit, rien à dire. Écoutez, c'est sur cette fin tragique de notre copain Idrissa, si je me trompe pas, voilà, qui se sacrifie pour notre patrie en détruisant un char tigre. Donc voilà, c'est la fin de ce récit qui est pour moi le plus beau pour l'instant. Voilà, donc là on va commencer le dernier tigre dans le prochain épisode, c'est vraiment le récit que j'attendais. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour voir la suite, en fait, tout simplement le dernier récit de la campagne de Battlefield 5. Allez, je vous dis à plus tard.